Qu'en est-il de la troisième phase de la procédure de demande de séjour d'un enfant via la commune, l'examen du dossier par l'Office des étrangers? L'Office des étrangers reçoit votre dossier qui lui est transmis par la commune et il doit prendre sa décision dans les 6 mois de l'introduction de la demande qui est mentionnée sur l'annexe 19 terre. Et donc, puisque vous avez déjà eu 3 mois pour compléter votre dossier, il lui en reste 3 pour vérifier si les conditions du regroupement familial sont remplies. Soit vous avez apporté la preuve que toutes les conditions sont remplies et l'enfant reçoit une carte F, valable pendant 5 ans. Soit l'Office des étrangers estime que les conditions ne sont pas remplies et une décision de refus de séjour est notifiée, une annexe 20. Soit il n'y a pas de décision à la fin du délai de 6 mois et dans ce cas, l'enfant reçoit également sa carte F de 5 ans. Comment réagir en cas de refus? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À bientôt.